Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Infamous Second Son. Donc on se retrouve dans un nouveau quartier de la ville. Par contre, ça m'a ramené en arrière parce qu'il me semble que j'avais commencé à visiter, mais bon, c'est pas grave. Hop. Je vais peut-être prendre le pouvoir du néon parce qu'il court plus vite. Alors on va drainer. Non, tu veux pas drainer ça. C'est pas un néon ce truc? Bon. Peut-être ça alors? Ouais, voilà. Comme ça, on va pouvoir sprinter. Direction l'objectif. Tiens, il y a un publicitaire sur la route. Hop, un petit headshot. Voilà. Allez, c'est parti. Pour la mission, le fan. Non, c'est verrouillé, d'accord. Détruisez le poste de contrôle à proximité avant de commencer cette mission. Bon, si vous voulez, oui. C'est vous les trucs, ouais. Le gang. Allez, headshot, si. Ils sont où tes potes? Ils sont là-bas tes potes. Putain, j'arrive pas à viser encore une fois, crotte. Bon, corps à corps. Ça ira mieux. Akula. Éliminer Akula. Putain, par contre, il y a le DUP qui s'en est mêlé, je crois. On va s'écarter un peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je détruise exactement? Ça encore? Putain, si tu pouvais viser correctement, hein, si ça te dérange pas. Hop, voilà, on va le faire à distance. On va déjà faire la moitié. Par contre, je vois pas le quatrième de mon côté là. Ah, ils m'ont repéré, punaise. Tiens. Non, il s'est pas désintégré, comme ça se fait. Ah, d'où ça vient ça? Punaise. On peut même pas être tranquille. Allez, hop, on change de bâtiment. Alors. Je vois personne. Et puis surtout, je vois un truc qui m'embrouille là, c'est ça là. Est-ce que j'ai un truc explosif avec le pouvoir du néon? Je m'en rappelle même plus. Je crois que je l'ai pas encore déverrouillé. Attendez, je vérifie. Ça, c'est quoi ça? Ah non, c'est pas ça. Si, ça c'est... Attendez, appuyez sur R1. Oui, parce que ça pète pas comme avec les... Le... Ah si, ça pète. D'accord, j'ai rien dit. J'allais dire comme le pouvoir du néon, d'ailleurs. Je vais drainer un peu le néon. Hop, on va faire le plein. Y'a plus personne? Ah si, y'a une tourelle. Ouh, punaise. Bon déjà, je vois les ennemis sur la map. On va essayer de les contourner en évitant de tomber dans l'eau, vu que monsieur n'aime pas l'eau. Ah, non, oh, sérieux, il aurait pu monter là. Putain, elle est où la tourelle? Ah bah elle est juste là. Hop, on va désactiver la tourelle. Ce sera fait déjà. Voilà. Aïe, 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 calmez-vous. Putain, ils sont super nombreux là. Non? Je vois que ça s'agite. Bon, hop. On va lancer un feu d'artifice. Ça va peut-être les calmer un peu. Alors je crois que la PS4, pardon, j'allais dire PS3, a un petit peu ramé au moment où j'ai lancé l'attaque, hein, il me semble. Hop. Et ben voilà. Efficace. Ah oui, non, c'est vrai, il faut maintenir. Allez, maintiens. Voilà. Et on bombarde R2. Allez, allez, dépêche-toi. Voilà. Voilà, c'est fait. Alors, récompense.
Mission secondaire, fragment affiché sur la carte et point de respawn. Ok. Ouh, il y a des fragments un peu partout là. Hop, on draine. On va pas s'en priver. Hein. Donc la mission est disponible, ok. C'est parce que je suis chez moi. Il y en a encore un juste là. Et il y en a même là-bas. Ouh, qu'est-ce que c'est? Le marqueur vert. Je sais pas, je vois rien. Bon. Apparemment, il y a un fragment. En hauteur, sûrement. On va voir tout en haut de la grue s'il veut bien y aller. Ils l'ont pas mis tout en haut quand même. Allez, grimpe. Ah si, je crois que j'ai vu le drone. Putain, il veut pas monter, hein. Et la caméra en plus, elle fait n'importe quoi, c'est génial. Allez, monte. Allez, en plus, je me fais tirer dessus. Pourquoi il veut pas monter, là? Allez. Oh putain, il se moque de moi. Mais là, pourquoi il monte plus? Putain, je comprends pas son problème, là. Tu peux escalader les fils peut-être? Ah oui, d'accord. Bon. Hop, tout ça pour un fragment. Hein. 6 fragments, hop. Et là, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un fragment, non? C'est un. Non, c'est une mission héroïque. Ah, c'est un porteur. Mais bon. On est en méchant, hein. En infâme, donc on s'en occupe pas. Tac tac tac, ça c'est quoi? C'est des flics? Hop, tiens. Dans le dos, hein. Hop, voilà. Police, il n'y en a plus. Ah, ça je sais pas ce que c'est, j'en ai jamais fait. Mission, journal audio. Hop, il y a un téléphone qui sonne. Comment ça marche? Ouais, c'est qui? Delcinro. Je connais pas, mais je te surveille. Ok, c'est pas flippant du tout. Tu as lancé des rumeurs qui sont remontées jusqu'à Washington sur Augustine et le bien fondé du DUP. Trop cool. Un pas de plus pour qu'Augustine paye enfin pour ce qu'elle a fait. Tout n'est pas si cool. Et moi, je veux t'aider. M'aider à faire quoi exactement? Je peux t'aider à faire tomber le DUP de l'intérieur. Mais il faut que tu me promettes de ne jamais rien dire à personne. Si les informations que je vais te donner sortent d'ici, je suis mort. Je ne passerai pas par la casse-prison. Tu es le seul capable de révéler ce qu'Augustine fait subir aux porteurs. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. D'accord, je peux bien jouer le jeu pour voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut? J'ai mis un programme dans ton téléphone. Il te guidera vers mes rapports. Trouve-les, écoute-les bien et continue la lutte. Merde, je dois filer. D'accord. On va essayer de passer sur l'autre bâtiment. Ouais, alors attendez. Non, si. Ouh, il y a la manette qui fait du bruit aussi. Pourquoi le truc il s'affiche plus? Suive le signal, bah oui. Allez, qu'est-ce qu'il... 32, non. Ah, la manette grésille. Si, c'est sympa l'utilisation du micro. On n'est pas loin. On n'est pas loin, pas loin. C'est quoi, c'est juste là-dessus? Ah. Justine est le porteur le plus puissant que j'ai jamais vu. Sans compter qu'elle a tous les hommes du DUP pour lui lécher les bottes. Sa mission depuis toujours est de choper les bioterroristes et de jouer la chienne de garde. Elle le fait si bien que le gouvernement croit ne plus avoir besoin du DUP à présent. Je vais te dire, gamin, je n'aimerais pas être au gouvernement en ce moment. Augustine, c'est le DUP. Dire qu'ils n'ont plus besoin du DUP, c'est dire qu'ils n'ont plus besoin d'Augustine. Et c'est une mauvaise idée. Pire, un baril de poudre prêt à exploser. Et tu es l'étincelle. Ok.
Alors. Non, c'était pas là? Si. Voilà. Une caméra de moins, c'est parfait. Allez hop, on lance la mission, le fan. Salut, c'est bien Delsinro? Ouais, qui le demande? Oh, je suis un grand fan de votre travail. Comme ce tag que vous avez fait sur la Needle. Mon ambition dans ta face. Je vous suis à fond dans vos idées. Donnez le pouvoir au sans-pouvoir. Je veux vous aider. Ok. Si tu veux m'aider, tu peux m'aider à trouver le porteur en cavale qui doit se trouver quelque part dans Lantern District. Oh, mais pourquoi tu veux lui ou elle? Je veux gentiment lui serrer la main. C'est tout. D'accord. Bon, on m'a dit que le DUP voulait enfermer les porteurs potentiels qu'ils ont trouvés dans un centre de détention qu'ils ont construit en ville. Il est prévu que le convoi passe en plein milieu de Lantern District. Ils vont prendre la passerelle I-90. Ok. Tu saurais me dire lequel de ces braves gens on devrait pouvoir? Oh, ouais, ouais, carrément. Absolument. Ouais. Merci. Pardon, comment t'as dit que tu t'appelais, déjà? Je suis Eugène. C'est moi aussi, comme nom, je sais. Eh, ma mère a chopé Delsin dans un vieux western. C'était un cow-boy. Ok. Cow-boy Delsin, ouais. Allez, c'est parti. Allons-y. Tac, 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 on y est presque. Je vois un petit musicien, on va se le faire sur la route 1. Ça fait pas de mal. Boum. Ça me rapproche du trophée. Eh, hey, Eugène, je me disais que le plus simple dans ce cas, ce serait de faire un peu tomber la route. Du genre, leur retirer le tapis sous les ouais, pieds. Tu pourrais pas l'exploser? Non, je veux pas risquer de tuer le porteur que je cherche. Je vais juste scier les supports et le poids du camion fera le reste. Et bim, blocage routier instantané. Ok, tu vois, c'est exactement pour ça que je suis fan. J'aimerais vraiment être là pour voir ça. Bah viens regarder. Mais bon, à une distance raisonnable quand même. Quand un porteur comme moi se met au boulot, les mortels dans ton genre sont priés de s'écarter. Ok, d'accord. Bon, réflexion faite, je crois que je vais rester à la maison. Je te rappelle si je dégote d'autres infos sur le convoi. Oh, bip. Ok. Donc comment on fait? Il veut scier avec quoi? Faut tirer dessus? Oui, il faut tirer dessus, ok. En espérant que le DUP ne se ramène pas. Tout de suite, en tout cas, hop, hop, hop. On va peut-être se pousser, hein, hop. Eugène, à quelle heure le convoi doit se pointer? Ce soir, sûrement. J'en suis pas vraiment sûr. T'es toujours sur la passerelle? Ouais, toujours là. Je suis en dessous. Je me fais des potes dans la faune locale. J'ai pas l'impression que ça circule du tout, là-haut. Ouais, ben, c'est parce qu'il est sous le contrôle du DUP. Ils l'ont fermé aux civils. Alors, t'as fini avec les supports? Ouais, terminé. Je vais remonter et m'échauffer un peu avant de jouer à la barbichette avec le DUP. À la barbichette. Temps de chargement, oui, pourquoi? Oh, c'est pénible, déjà qu'on se tape un gros temps de chargement au début, on en a en plus pendant le jeu. Ah, tiens. Bande de nazes. Eh, Eugène, donne-moi des infos. Je cherche quoi dans ce convoi? Je sais pas. Je sais qu'il déplace beaucoup de prisonniers, ah. Alors je cherche peut-être des bus. J'essaie de faire des headshots. C'était quoi? Bon. Hop, on va s'approcher un peu. Oulala, ils ont l'air d'être assez nombreux après. Déjà, toi, on va te shooter. Hop, ça c'est fait. Oh là là. C'était quoi? Les hélicos? Un sacré paquet d'hélicos. Je crois pas qu'ils puissent me voir avec ces brouillards. Si, c'est bien, ils ont l'air de pas trop réagir. Et pas tes fetch. Ouais. Je ne sais pas trop à quoi correspond le trophée. Pourquoi il m'attaque pas? Il reste en retrait, c'est bizarre. Allez, relâchez juste les prisonniers et promis, je vous fiche la paix. Ah, quand même. Eh, j'en ai eu un? Je sais pas ce qui s'est passé, mais... je l'ai eu. Bon, je me concentre un peu sur le combat pour éviter de crever comme une merde, alors je parle pas beaucoup tout de suite.
J'essaie de passer des headshots. Ah Faites-moi ça là. Ouh là là. Bon, un. Hop, un petit feu d'artifice. J'aurais peut-être dû le garder pour plus tard. Ouh, ça rame encore. Hein. À moins que ce soit un effet visuel exprès, mais bon, je pense pas. Hein. Voilà, le ménage est fait. Par contre, avant de continuer, j'aurais aimé juste drainer un néon. Non, tu fais monter. Draine. Voilà, on voit sa tête en gros plan, c'est magnifique. Hop. Ah, remonte. Vas-y, essaye. Que j'en ai à faire. Bon, il est où le... Il est là. Hop. Drainer le fragment, ça c'est fait. Allez hop. On retourne à l'objectif. Fouiller le bus. Comment je fais pour fouiller le bus? Et lequel je dois fouiller? Vous m'expliquez comment je fais, s'il vous plaît? Je vois le marqueur sur la map, mais Ah, voilà. Ça fait boum. Eugène, les bus sont passés depuis longtemps. T'aurais pas une idée de leur destination? Je sais pas. À la radio, ça papote dans tous les sens. Je sais pas où ils sont partis. Attends un peu. T'écoutes les fréquences du DUP, là? Comment t'as réussi ton coup? C'est une appli pour mobile que j'ai un peu modifiée. Tiens, je te passe le lien. Ok, je l'ai. Alors, qu'est-ce que ça fait de beau? C'est un tracker de signaux. Tu peux écouter toutes les communications du DUP. Mais le plus cool dans tout ça, c'est qu'il peut t'orienter en direction de la source du signal. Balèze. Je vais tester direct ce petit bijou en situation. Grimper plus haut, ouais. Mais alors, est-ce que ça va être un nouveau pouvoir, ça? Je vois ces épées-là qu'on voyait au tout début quand on allait vers Seattle, sur le pont. On les voyait déjà, ces épées. Donc ça se trouve, ce sera un nouveau pouvoir. Je ne sais pas. Prenez de la hauteur, ouais. Hop. Grimpe, grimpe, grimpe. Ça suffit pas. On est tombé dans une embuscade. Non. On s'en est tiré avec la cargaison, mais on n'est plus en contact avec les autres. Oh, Eugène, j'ai un signal. Je te l'avais dit. Ah, faut aller en hauteur. Bon, on va se rapprocher déjà un peu par là. On va reprendre de la hauteur un peu plus loin. Voilà, on va grimper ici. Hop, 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 allez, dépêche-toi. Hop. Aucune idée du nombre de victimes. Mais on a perdu des VBTT. On s'est même fait descendre de chasse. Pourquoi il a enlevé le toit? Ah si, c'est là. Mm-hmm. Alors attendez. On va pas sauter dedans comme un débile. On va rester un peu en retrait, essayer d'en... Voilà, déjà indirect. Ah! J'ai du mal à faire des headshots hein, quand même. Hein. Bon, allez, une explosion. Non, ça explose pas vraiment ça. Ouh, vous me saoulez là, allez hop. Ah, quand même. Fumée, ouais, allez hop, on va repasser à la fumée. Comme ça, il va lancer des vrais missiles. Aïe! Aïe, aïe, aïe. Vous êtes où? Bande de saloperies. Se calmer un peu là-haut. Hein? Apparemment il en reste un en dessous, je le vois pas, mais bon. Ah si, hop. Voilà. Faudra un peu de fumée. Ouais, on va pomper un peu de la fumée. Ah, j'ai récupéré qu'un missile. Ah, ou alors ça dépend de la source de fumée, peut-être. Parce que des fois on en récupère un, des fois on en récupère plusieurs.
Donc les voitures, ça doit pas faire beaucoup de fumée, on va dire. Par rapport à ce qu'on trouve sur les toits, par exemple. Bon, fouiller le bus, le bus, le bus. Allez! Allez! C'est vide? Ah. Quelqu'un a dû arriver avant moi. Aïe. Non? Un petit nouveau. Désolé, vieux. J'ai d'autres plans. Mais il est en... ils sont en quoi? Putain, mais ils sont sérieux? Corps à corps, ça marche ou pas? Non. Déconseiller le corps à corps. Barre-toi. Non, il est coincé par la voiture, c'est super. Bon. Profite-en pour drainer. Hop, hop, hop. Ah non mais oh, oh. Calmez-vous les gars là. Et ils sont trois en plus. C'est génial ça. Mais alors ils doivent... Ouais, ils sont peut-être plus vulnérables au néon du coup. Punaise mais... Ouh, il me saoule. Vous me saoulez. Dren. Putain, ça a pas l'air de leur faire grand chose les missiles. Aïe, mais... Putain, mais c'est pas vrai. Bouge tes fesses. Et merde, il peut pas grimper sur le mur. Oh, bordel. Voilà, hop, prendre la hauteur. Je voudrais du néon. Allez hop. Voilà, sur les toits, il récupère 3 missiles. Est-ce qu'il monte avec moi, les gars? Est-ce qu'il reste... Oui, oulala. Aïe. Mais il a rien pour se défendre, hein, au corps à corps. Hein. Punaise. Et la caméra est... Tiens. Ah, quand même! Punaise! Un petit peu de fumée, est-ce que ça marche? Ça a pas l'air de les déstabiliser. Hein. Oh, bordel! Descends. Je veux du néon. Néon, néon, néon. Ah, ils sont trop hauts les néons, merde. J'ai plus de missiles. Fumée! Tiens, bah voilà, quand ils se prennent un missile dans la tronche, ça les calme. D'accord. Eugène, j'ai trouvé le bus, mais il est vide. J'en ai vu 3 sur la passerelle, donc il en reste au moins 2 dans les parages. Donc, missile dans la tronche, ça marche assez bien quand même. Non, il est parti. Bon. Un petit inconvénient, et tu me raccroches au nez. Bonjour le fan. Hop, on remonte. Ah, mais du coup, ça me manque le néon maintenant, je peux plus grimper au mur. Oh là là. Néon, néon. Il me faut du néon. Hop, on va quand même choper la direction. On a besoin d'aide! Ils sont trop nombreux! C'est par là. Il y en a partout! Partout! Ce brouillard! On voit plus rien! Putain, ce serait bien d'avoir un compromis entre les deux, hein. Bordel. Je préfère quand même le néon pour me déplacer. Je trouve ça plus agréable. Alors attendez. Apparemment, il y a du néon là, oui. Le néon. Chinese, je sais pas quoi. Foot massage. Hop. On va reprendre de la hauteur. Sur ce bâtiment. Hop. Encore un peu plus. A priori, je suis plus ou moins dans la bonne direction, hein, normalement. Ouais, un peu plus par là, voilà. Allez, c'est reparti. Ah, attendez. Fouiller le deuxième camion, oui d'accord, mais attendez. Ah bon, je voulais me booster un peu avant. Si, c'était le bon bouton. Me mettre le néon infini. Ah, c'est pas tout de suite, mince. Faut avoir le karma niveau 4. Mince, mince, mince. Stase mortelle. Stase mortelle, ça peut être pas mal. Les ennemis... Ah non, attendez. Les ennemis tués dans la bulle de stase seront pulvérisés. Ah non, mais la stase en elle-même, oui. Elle fait pas de dégâts. Ah. Parce que moi, quand j'ai vu l'intitulé, j'ai cru que... Oui. Le fait d'être dans une stase leur faisait des dégâts. Mais apparemment, non. Tir éclair. Ça va plus vite. Rayon phosphore. R1, ça passe à 6. Ok, bulle de stase, ouais. Bon, pour l'instant, voilà, c'est tout. J'ai juste des missiles en plus. Ok.
Sauf que j'ai pas de quoi faire le plein. Bon. Apprends la politesse. Poussez-vous. Ok. Mais non, pas la fumée. Tout comme j'avais prévu. Je dois trouver le dernier bus avant les responsables de ce massacre. Je veux le néon. Il y en a un là, non? Non, non. J'ai rêvé, non, bah, je sais pas. Hop, des petits coups de pied, hop. Voilà. Allez. Il faut qu'on regrimpe une bouche d'aération. Drainer le néon, je prends le néon. Le petit néon. Bon allez, hop, on monte. Allez, 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 oula, c'est... assez haut. C'est quoi ça? C'est pas un truc, c'est quoi ça? Ouais, bon, je sais pas. C'est... bon. Ennemi en vue! Une flotte entière! Ok, alors attendez, je vais refaire un petit peu le plein de néons, non? C'est pas possible. On verra plus tard sur la route. Hop, on va absorber ce truc. Martini! Allez, putain, mais la caméra, des fois, si on la replace pas soi-même... Attendez, je vais rechoper la bonne direction. Descends, il doit être accroché là, voilà. On contre-attaque, mais ils sont trop nombreux. Voilà, allez hop. Tout droit. Enfin, plus ou moins tout droit. Non, escalade pas ces trucs. Dépêche-toi. Hop. On va regrimper pour vérifier la direction. Rond, s'il te plaît, merci. Hop. Il fait un double saut. Les attaques viennent d'en haut ! Ils sont au-dessus de nous ! Hop. On s'approche. Ça doit le faire. Oui, voilà, ils sont juste là. Ouh, ils sont sur les toits. Ouh, ils subissent les assauts du truc bleu, là. Ouh, il a des ailes. Ouh là là. Ouh, ils sont plusieurs. Zéro ! Je l'ai eu ? Non, je l'ai même pas eu. Oh. Ah, headshot. Hop, on va se rapprocher un petit peu. Quel merdier, je me suis encore fourré. Toi, dégage. Merci. Vaincre les forces, oui. Arrêtez de bouger, ouh là là. Qu'est-ce qui me tire dessus là? Là, il y en a un par moment. Aïe! Ah, c'est encore un gros costaud, bordel. Alors attendez. Voilà, on s'écarte un peu. Non, ils veulent pas venir vers moi, d'accord. On va les attaquer dans le dos alors. C'est parfait. Là, on va s'occuper des petits. Bon, j'y arrive pas, c'est super. Voilà, non. C'est un peu trop le bordel là, hein, pour que je vise correctement. Non, d'accord. Ah, j'ai plus de missiles, mince. Ça sert à rien d'essayer de les tirer, si j'en ai plus, hein. Bon. Simple que... ouah, non, mais n'importe quoi là. Fumée, on va prendre de la fumée. C'est quoi ça? Fumigène, on peut pas l'absorber? Si. Hop, on va lancer un missile. On va éviter de se foirer. Putain, on voit rien. Apparemment, je les ai vus. Ouais, mais sans les missiles, ils sont trop costauds là. Bon, allez. On va péter la voiture, on va reprendre de la fumée. Hop. Boum, voilà. Putain, ils sont chiants à se faire des murs. Hein. Bon, on va reprendre de la hauteur. Si on peut pas trouver une source, voilà. Une meilleure source.
Allez, monte! Ah ouais, là il pourrait monter là, sérieux. Fais pas d'effort aussi lui. Monte! Au lieu de te faire canarder! Grosse patate. Bon, on va retourner au néon du coup. Voilà, j'ai récupéré mes missiles. Monte juste sur leur bord. Hop. Aïe, 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 non. Ah, il est mort. Ah, il y en a encore un en bas. Non, il est où? Ah, c'est encore un gros. Ah non, même pas. Headshot, voilà. Fouiller le dernier bus. Hop. Des anges? C'est une blague ou quoi? Alors, soit un de ces cavaleurs peut faire des anges, soit je suis carrément sur la piste de Dieu. Je suis pas certain de gagner au change, là. Ok, bah c'est fait, ça. Hop. Ensuite. Ah, ça ressonne. C'est mon fan? Eh, hey, Delsine, on a trouvé une veste comme celle que portent les suspects du DUP au marché Ing-E. Le gars qui l'a porté y est sans doute encore. C'est plein de bonnes cachettes. Ah, merci du conseil. Alors, t'avais disparu où tout à l'heure, hein? Bon, c'est possible que les porteurs n'aient pas de besoin naturel. Mais nous, on en a. Comment t'obtiens toutes ces informations sur ce qui se passe? Dans tout Lanterne District, les murs ont des yeux et des oreilles. J'ai quelques amis au placé. J'appelle ça des amis utiles. Eh ouais, ce sont les meilleurs. Ok, bon. Alors je vais me faire un petit espion là, enfin un agent infiltré plutôt. Et on va se quitter là. Hop. Ah. Et il monte. Hop. Agent secret. Donc c'est un black avec une veste bleue. Je vois pas grand monde là. On va descendre. Un petit coup de pied. Non, coup de pied, j'ai dit. Coup de pied! Arrête de faire n'importe quoi, merci. C'est toi? Oui, c'est toi. Ah, mais si tu te téléportes, hein. Ah, ben voilà. C'est fait. Bon, et ben voilà. Comme ça, je vous ai fait une mission principale. Et donc, on quitte. Oui, pardon, oulala, on continuera dans le prochain épisode, donc je vous dis ben merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Je veux aspirer un néon avant de vous quitter. Crotte. J'arrive pas à monter, bon, hein. Oh là là. Il peut pas monter ça, si. Voilà, bah alors, pourquoi ça veut pas des fois? Et il redescend tout seul, allez, tu peux pas t'accrocher, hein. Non, il veut pas s'accrocher. C'est super. Quel est l'intérêt de mettre des néons si on peut pas s'arrêter pour les... Ah, quand même. Voilà, comme ça j'aurais fait le plein pour le prochain épisode. Toc. Voilà, alors, je recommence du coup. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour la suite. Allez, salut.